Pour accéder aux Zambiers, il faut quitter la côte varoise pour une traversée parfois houleuse à cause du mistral. Mais une fois arrivé, place à l'évasion. Plage, petites criques et végétation méditerranéenne. Pendant 19 ans, Christian a été le chauffeur personnel de Paul Ricard, célèbre créateur d'une boisson anisée et propriétaire des Zambiers. Aujourd'hui, il sert de guide aux touristes et nous explique pourquoi cette île est si particulière. En fait, c'est une escale, surtout entre Marseille et Porquerolles, les gens viennent se mettre à l'abri. Je parle au niveau de la plaisance. Et en général, les gens qui s'y étaient jamais arrêtés, qui font que passer et qui s'y arrêtent une fois, ils y reviennent. Il y a la tranquillité du port, c'est vrai que c'est magique pour se reposer. On peut oublier le continent ici. Vérification immédiate auprès des visiteurs, petits et grands. Les agréables, les plus calmes, quand il y a moins de monde, c'est plus tranquille. T'as l'impression d'être vraiment en vacances quand il y a moins de monde ? Ouais, je trouve. Vraiment. C'est un peu l'archétype de ce qu'on imagine dans le sud de la France, quoi. Je trouve ça différent, surtout. Presque aussi beau que la Vendée. Mais la particularité de cette île varoise, ce sont ses vignes. Elles s'étendent sur 10 hectares à travers plusieurs terrains. Et je vous propose de tout de suite aller rejoindre Laurent dans la cave de l'île des Zambiers pour qu'il nous parle un peu plus de ce cépage azuréen. Laurent est arrivé sur l'île dans les années 90. Après un long travail pour remettre les vignes en état, son vin est désormais reconnu et apprécié. Ben, le rosé, en priorité, il y a 8 personnes sur 10 le rosé, mais comme je leur fais goûter le blanc, la particularité qu'il a, on a vraiment l'amertume du pamplemousse, ça plaît, ça séduit. Voilà, donc le blanc, je vends très bien, et le rouge aussi. À l'année, une cinquantaine d'habitants vivent sur l'île des Zambiers, une cinquantaine d'habitants et deux pensionnaires un peu spéciales.